Bonjour, j'accueille aujourd'hui Stéphanie Gibaud, bienvenue en Belgique, qui est venue parler devant une commission du Parlement européen sur ce qu'elle a vécu, sur le travail qu'elle fait sur les lanceurs d'alerte. Et moi, j'ai découvert là, ces jours-ci, avec passion, un bouquin qui s'appelle La traque des lanceurs d'alerte chez Max Milo. Et j'avais entendu parler de Stéphanie, mais j'ai découvert que le problème était encore beaucoup plus vaste que je croyais. Pour moi, les lanceurs d'alerte, c'est évidemment Assange, ça nous en avons beaucoup parlé, Chelsea Manning, Snowden, bien sûr. On avait entendu parler à l'époque des démêlés de Stéphanie qui avait été mise à la porte de la banque UBS pour ses révélations. On va creuser ça. Mais j'ai découvert avec le bouquin qu'en fait, nous, on a des dizaines, voire des centaines de lanceurs d'alerte aux États-Unis, en France, qui sont traqués, c'est le seul mot employé, qui sont persécutés, tout ça pour que la vérité sur certaines choses gênantes ne parvienne pas au public, c'est-à-dire à vous. Donc on va voir. D'abord, Stéphanie, pouvez-vous brièvement dire comment vous êtes tombée là-dedans? Apparemment, vous étiez dans toute autre chose au départ. Voilà, bonjour, merci de m'accueillir à Bruxelles. Je suis ravie de vous rencontrer parce que j'ai regardé pas mal de votre travail et je suis très solidaire justement de vos actions. Merci. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est une histoire finalement très banale qui arrive à tous les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire j'étais quelqu'un qui était inséré dans la vie professionnelle. Je travaillais dans cette banque suisse, donc l'ancienne Union des banques suisses, hein, qui s'appelle UBS depuis 20 ans maintenant, et qui s'est installée en France en 1999, donc il y a exactement 20 ans. Et l'objectif de la stratégie de l'installation en France et à Madrid, parce que UBS España s'est ouvert en même temps que UBS France, c'était de dire en Italie, il y a eu un scudetto fiscale avec Berlusconi, c'est-à-dire que les Italiens ont pu rentrer sans pénalité l'argent qui était caché dans des. Paradis. Ben surtout en Suisse. Donc, en gros, la France et l'Espagne vont suivre la même tendance. Donc, plutôt que ça parte sur une banque espagnole en Espagne et que ça parte sur des banques françaises en France, autant récupérer en onshore, donc onshore en domestique, en France, ben, via une filiale domestique, l'argent qui sortira des coffres suisses pour rester dans la même maison. Donc moi j'ai travaillé dans un club de football, je m'occupais de la communication des joueurs, je m'occupais de Champions League, je m'occupais de choses La très com. différentes, voilà. Et je suis rentrée chez UBS au moment de son ouverture parce qu'UBS avait besoin de quelqu'un qui à la fois ait une culture internationale, qui connaisse beaucoup de monde et dont le métier était les relations publiques. Donc par définition, moi, je n'avais jamais entendu parler de gestion de fortune. Donc, je suis tombée dans cette marmite il y a 20 ans exactement, 1999, il y a 20 ans. Et ce que vous avez découvert dans UBS ne vous a pas beaucoup plu. Ben, c'est-à-dire que, comme beaucoup de lanceurs d'alerte, je pense que la première personne à qui on en veut, c'est soi-même. C'est de se dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour travailler dans cette banque, donc 10 ans, puisque mon lancement d'alerte est en 2008, donc presque 10 ans après, de dire mais comment j'ai fait pour ne pas voir, pour ne pas savoir, pour ne pas comprendre. Et justement, les gens qui nous font face nous disent souvent, oui, mais en fait, vous avez fermé les yeux pendant longtemps et après,
En fait, vous avez mangé, comment est-ce qu'on dit ? Vous avez mangé au râtelier, une expression comme ça. Et puis, un jour, vous étiez jaloux, ou un jour, quelque chose qui ne vous a pas plu, donc vous avez dénoncé. Mmh. Et qu'en fait, ça, c'est terrible, parce que je pense que c'est le pire de tout. C'est-à-dire qu'on nous prend pour toujours ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire c'est qu'on vous essaye... qu'on culpabilise. Et c'est ce que dit très bien, justement, on parlait de Assange tout à l'heure, c'est toujours « shoot the messenger », on va tuer la personne qui donne le message, et on ne va pas aller chercher le contenu de l'information qui est révélée. Donc, et quelles informations avez-vous révélées sur UBS, en résumé ? Vous avez en fait écrit un livre il y a quelques années, « La femme qui en savait vraiment trop, et trop sur quoi ?» Mais voilà, moi donc, j'ai travaillé dans cette banque pour m'occuper de la communication de la banque et des événements dédiés aux clients. C'est-à-dire qu'en gestion de fortune, on s'adresse à des gens qui ont les moyens de tout s'acheter, de tout s'offrir. Donc en fait, la complexité de mon métier était de les inviter sur des événements pour leur offrir quelque part du rêve. Du rêve, c'est-à-dire un moment privilégié avec, je me souviens, Rostropovitch à Paris, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on n'achète pas avec de l'argent. On offre de l'émotion. Si vous avez une Ferrari, vous ne pouvez pas aller conduire sur le circuit de Maranello. Avec UBS, vous pouvez le faire. D'accord. Grâce au partenariat. Vous voyez, c'est offrir des choses qui montrent quelque part que, qui est l'image de la banque, mais pour que le client ou le prospect, donc le client potentiel, se dise, mais vu le service qui est offert en marketing et en communication, ça veut dire que je vais avoir le même service pour la gestion mais de mes finances. Mais qu'avez-vous dénoncé dans et le dix cas ans d'UBS plus tard, 10 ans plus tard, moi je travaille donc comme une dingue, puisqu'on a développé toute la France, de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, donc ouvrir tous ces bureaux en province. Et 10 ans plus tard, une perquisition a lieu dans le bureau du directeur général, donc c'était en juin 2008, et suite à cette perquisition, ma supérieure hiérarchique me demande de détruire toutes mes archives informatiques, puis toutes mes archives papier, j'avais des armoires d'archives dans mon bureau, qui contenaient, donc ces fichiers, le nom des clients, le nom des prospects, d'UBS à Genève, d'UBS en Suisse et d'UBS en France. Donc en fait, moi... Il fallait détruire parce que c'était la fraude fiscale organisée. Alors voilà, moi j'ai mis 6 mois à comprendre, donc c'est l'objet de mon premier livre, j'ai tiré un fil, c'est-à-dire qu'au lieu de bêtement obéir à l'ordre qui m'était donné, de détruire ces fichiers, moi j'ai essayé de comprendre pourquoi on m'en voulait, j'ai essayé de comprendre la relation qu'il pouvait y avoir entre cette perquisition dans le bureau du directeur général et mon métier. Et puis, en fait, j'ai mis petit à petit les pieds dans un engrenage, l'enfer, qui devient de plus en plus pressant, violent. Et la découverte de tout ça, ça glace le sang. Et on comprend, parce que finalement, j'avais écrit ce livre en me disant « c'est mon histoire ». Mais le deuxième, c'est l'histoire de ces hommes et ces femmes qui... On va y venir. Mais donc, concrètement, vous avez dénoncé un système de fraude, d'évasion fiscale, de fraude fiscale organisée. Alors, ce qui s'appelle de démarchage des banquiers suisses sur le territoire français, ce qui, est illégal, c'est interdit par la loi française. Donc moi, la seule chose que j'ai su faire... c'est d'aller voir l'inspection du travail. Vous savez, en France, on a cette possibilité de s'adresser aux inspections du travail. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, au bout d'une dizaine de rendez-vous, cette personne m'a dit, mais Madame Gibault, vous devez porter plainte contre votre employeur. Vous devez écrire au procureur et raconter tout ce que vous me dites depuis 6 mois. Et moi, je lui dis, mais attendez, je suis une maman qui élève mes enfants toute seule. Je n'ai pas de revenus à part mon métier, à part mon travail. Si je dénonce cette banque, qui est l'une des banques les plus puissantes au monde, qu'est-ce qui va m'arriver ? Et cette dame a répondu, mais Madame Gibault, nous sommes là pour vous protéger. Voilà. Donc, j'ai porté plainte contre UBS en 2009, donc il y a exactement 10 ans. Et je ne m'attendais pas, finalement, après avoir déposé une plainte aussi grave, hein, parce que là, on parle de milliards qui échappent à l'impôt tous les ans, me retrouver dans une situation qui est celle de, où personne ne voudrait de votre vie, parce que tout est contre vous. Bien évidemment, j'ai été licenciée d'UBS parce qu'UBS est une banque
voilà, qui est plus puissante finalement que l'État français. Donc il y a les moyens de vous faire suivre, de vous faire écouter. Grâce à Snowden, on sait tous qu'on l'est, mais là, c'est oui. des moyens qui sont quand même surdimensionnés, vous faire suivre. Moi, je me souviens, j'en parle dans mon premier bouquin, pendant des mois, je ne pouvais pas aller au restaurant ou boire un verre avec quelqu'un sans qu'il y ait quelqu'un à côté de moi. Enfin, des choses, vous voyez ça que dans les films, si vous voulez. Et puis, UBS a dû apprendre en 2011, alors que j'étais toujours une collaboratrice de la banque. Alors, mon histoire est très longue, hein, on va essayer de la résumer, mais bon, j'ai forcément fait une dépression tellement les pressions mises contre moi ont été beaucoup énormes. De lanceurs d'alerte, d'ailleurs, j'entends. Hein. C'est psychologiquement extrêmement dur parce qu'ils affrontent des intérêts très puissants et il y a un vrai harcèlement général. Moi, l'inspectrice du travail m'avait dit, Madame Gibault, à votre niveau, c'est même plus du harcèlement, c'est de l'acharnement. C'est-à-dire qu'en fait, l'arme la plus redoutable qu'on puisse retourner contre quelqu'un d'honnête, finalement, c'est lui-même. Parce que c'est la quadrature du cercle, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que dans toutes les situations, on peut trouver des solutions, et là, il n'y en a aucune. Parce que justement, le fait de porter plainte et de me dire, nous, inspection du travail, on est là pour vous protéger, bien naïve comme je l'étais, il y a 10 ans, je pensais que c'était vrai. Et vous n'avez pas été protégée. En fait, j'ai été licenciée, puisqu'UBS a dû apprendre en 2011 que les douanes judiciaires, donc le ministre, le ministère des Finances à Bercy a délégué une équipe pour enquêter sur UBS et en gros s'est servi de moi pour sortir des informations confidentielles qui appartenaient au serveur de mon employeur. Donc depuis, vous avez tous entendu cette directive secret des affaires, enfin, elle a été votée partout en Europe. Donc s'est servi de moi en tant que cadre de la banque qui avait porté plainte contre mon employeur, donc, pour sortir des informations confidentielles et leur remettre. Et ces informations ont permis à ce que UBS soit condamné en France cette année à l'amende la plus importante qui ait jamais été donnée à une banque, un montant de 4,5 milliards d'euros. Donc l'État français a récupéré beaucoup d'argent grâce à vous. C'est enrichi à vous, cause de moi. Vous êtes la victime aussi. C'est enrichi. Ben, en fait, moi, la question que je pense, enfin, que j'avais au début, c'était que mon ennemi, c'était cette banque qui voulait me détruire, qui m'a harcelé, qui m'a licencié, qui m'a discrédité dans les médias, qui finalement a fait que ma carrière s'est arrêtée claire et nette à partir du moment où j'ai été licenciée, puisque l'affaire est devenue publique. J'imagine que vous ne retrouvez pas du boulot dans les autres banques ou dans les autres sociétés du même genre. Rien. Mais rien, c'est moi, vous voyez, mon liste métier, noire. Moi, j'ai un métier de communication, il n'y a pas une boîte de communication, il n'y a pas une chaîne de télé, il n'y a pas un journal, il n'y a pas une agence de presse qui veut de moi. Et vous portez quelque chose de très sale. J'en discutais avec des femmes qui vivent en Suisse, qui travaillent, elles, sur les viols, et qui disaient, finalement, ce que vous vivez, vous, les lanceurs d'alerte, c'est très similaire, et c'est très grave ce qu'elles m'ont dit, c'est-à-dire c'est très similaire des on dit des chaos post-traumatiques, des chocs post-traumatiques que vivent les survivants des accidents d'avion. Et en même temps, c'est comme ces femmes qui ont été violées, qui sont, entre guillemets, salies, cassées, dont personne ne veut parce qu'elles sont salies et elles sont cassées. Vous voyez, je vous fais une descriptive qui est mais, tellement choquant que vous dites, ok, moi ça m'est arrivé, je dois être la seule à qui ça puisse arriver. Et c'est pas forcément rassurant parce que ça donne un état de la société, que ce soit en France ou ailleurs, mais en tout cas, on voit que c'est monnaie courante. C'est-à-dire qu'on écrase les gens, et c'est toujours cette phrase d'Assange ou de Snowden, on tue le messager et on ne veut surtout pas aller parler du contenu des alertes. Donc effectivement, moi, je ne me serais jamais imaginé en dénonçant ces actions il y a 10 ans que finalement l'État français, via ses différents ministres, hein, c'était Madame Lagarde à l'époque, même la garde aujourd'hui, comme vous savez, une petite promotion. Puis M. Moscovici, qui lui est une promotion aussi en venant à Bruxelles. Puis Michel Sapin. Puis aujourd'hui, on a Bruno Le Maire. C'est-à-dire que des ministres qui disent lutter contre la fraude avec des tendances politiques différentes, hein, des présidents et des partis politiques différents, pour finalement un résultat qui est le même, c'est-à-dire... Vous dites qu'il prétend lutter contre la fraude, mais il la protège.
Mais en fait, à chaque fois, ce sont des effets d'annonce, ce sont des mesurettes. C'est comme si vous mettiez un sparadrap sur un membre coupé. C'est pour être très clair. Donc, si l'État luttait vraiment contre la fraude, par définition, il aurait mis en avant tous les gens qui les aident à décrypter ces fraudes. Et en fait, mon ennemi aujourd'hui, est-ce que c'est UBS ou est-ce que c'est l'État français qui s'est servi de moi, qui m'a utilisé finalement à du travail forcé? Puisque quand vous avez des fonctionnaires assermentés qui vous demandent de sortir des informations d'une entreprise, surtout une banque étrangère, quelque part, c'est vous déguiser en agent pour un agent de l'État, ce que je ne suis pas. Donc, il y a un non-respect des règles, un non-respect du droit. Et puis surtout, derrière, il y a une vie qui est foutue. Il y a des dommages collatéraux sur notamment les enfants qui sont dramatiques. Il y a des procès qui n'en terminent pas, parce que la première à être allée en justice s'expliquer, c'était moi en 2010, puisque UBS avait porté plainte contre moi. Où est l'État? Comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive à dire, 10 ans après, le dossier UBS, c'est 4 milliards d'euros qui sont rentrés au ministère des Finances, donc de compte offshore, uniquement pour UBS, une amende de 4,7 milliards d'euros, et laisser ceux qui ont donné ces informations et qui se sont levés pour la vérité et donc l'intérêt général, puisque là on parle de l'intérêt de notre nation, de tous les Français, comment est-ce qu'on peut laisser tomber les gens comme ça? Et c'est tellement violent, si vous voulez, que je ne devrais plus être là, moi, aujourd'hui. Vous voyez, c'est juste... après, c'est une question philosophique, c'est qu'est-ce que c'est que la vie? Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi ça sert d'avoir autant de violence? Et en étant seul, ces combats isolés ne peuvent absolument pas réussir. Ce n'est pas possible. Justement, ce qui est bien dans votre livre, c'est que vous montrez que ça ne s'arrête pas à votre cas, mais qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte qui sont ignorés, marginalisés et persécutés. On peut peut-être prendre quelques exemples. J'ai vu que ça touchait le pharma business notamment. Il y a des choses beaucoup à cacher, on dirait, dans les firmes pharmaceutiques. En ce moment, en France, a lieu le procès du Mediator, laboratoire Servier, avec Irène Frachon, qui est la médecin de Brest, qui a dénoncé cette affaire il y a 10 ans, comme moi, en 2008. Et il y a un procès qui dure là, en France, qui va durer 6 mois. Le Mediator, elle le dirait beaucoup mieux que moi, le Mediator, c'est 3000 morts. C'est des familles... C'est un médicament qui était contre eux. Alors, c'est un médicament pour le cœur, mais qui a servi aussi comme coupe-faim. Un truc absolument incroyable. Et bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui devaient savoir, ne serait-ce chez Servier. Elle a une particularité par rapport à nous tous, c'est que cette femme, n'étant pas une cadre des laboratoires à Servier, elle travaille dans un hôpital et elle a été soutenue par sa hiérarchie. Donc le fait d'être soutenue par sa hiérarchie dans une entreprise, c'est justement la grosse différence. Là, elle a encore eu de la chance. On peut parler aussi de l'alimentation, notamment Nestlé, il y a eu aussi un lanceur d'alerte là, pourquoi? Alors c'est une femme qui vit à Genève, qui travaillait chez Nestlé à Genève, qui s'appelle Yasmine Motarjemi. Yasmine Motarjemi était directeur qualité et elle s'est levée pour que des produits ne soient pas mis sur le marché, et notamment des laits infantiles qui ont tué des enfants en Chine, qui ont empoisonné des enfants en Inde, qui ont créé des dégâts aussi aux États-Unis. C'est quelqu'un qui se bat contre cette machine Nestlé, parce qu'il faut quand même savoir qu'il n'y a pas un habitant au monde qui ne soit pas client de Nestlé. Incroyable, c'est-à-dire que tout... Dans l'alimentation, c'est le géant. Le géant. Avec Unilever. Voilà, elle a écrit à la FDA, à la Food and Drug Administration aux États-Unis, elle a écrit à Wall Street, puisque quand une entreprise est cotée, elle n'est pas cotée uniquement sur ses chiffres, elle est aussi cotée sur l'éthique de ce qu'elle produit. Aucune nouvelle. C'est quelqu'un qui est complètement abandonné. Et tant qu'on est là à parler de la Suisse, les lanceurs d'alerte en Suisse, ce pays qui se dit neutre au sein de l'Europe, que moi je connais bien avec ces histoires d'évasion fiscale, c'est quand même, une fois de plus, une hypocrisie absolue. Il n'y a aucune loi en Suisse qui protège les lanceurs d'alerte. Dans la finance, ils vont tous en prison. Tous en prison. Donc tous ceux qui ont dénoncé des délits, voire des crimes, c'est eux qui ont été mis en prison. Dans la finance, oui, absolument.
n'y a pas d'exception. C'est vraiment le messager qui est assassiné. Exactement. Et... Au niveau de la politique, est-ce qu'il y a aussi des scandales au niveau de la coopération au développement, au niveau des mandataires politiques? Il y a aussi des détournements qui ont été dénoncés? Oui, et qu'à chaque fois, c'est la même chose. Alors en France, moi, je connais bien quelqu'un qui est aussi dans une histoire depuis presque 10 ans, qui s'appelle Françoise Nicolas, et qui, elle, travaillait au ministère des Affaires étrangères. Mmh. En fait, elle était diplomate, elle travaillait dans une ambassade de France au Bénin, où elle a dénoncé des problématiques comptables sur un budget dont elle était responsable. Des budgets en fait, truqués. Voilà, ça cachait une comptabilité parallèle, ou en tout cas des fonds qui s'évaporaient. Et cette femme a été victime d'une tentative de meurtre sur son lieu de travail. Depuis 10 ans, c'est une horreur. Sa vie est une horreur. Alors, elle a survécu à cette tentative de meurtre in extremis, mais elle a été rapatriée en France de manière disciplinaire. On l'a mise dans un placard pendant des années. Elle a demandé, je crois, 70 mutations qu'elle n'a jamais obtenues. Elle avait 5 minutes ou un quart d'heure de travail effectif par mois. Ce qui est une torture. Et voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société où la violence au travail, nous, on l'a expérimenté avec les banques. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai expérimenté avec les banques il y a déjà 12 ans. Et qu'on voit aujourd'hui, nous, en France, on a eu le procès France Télécom récemment, avec des suicides, vous savez, de collaborateurs, et qu'en fait, cette violence au travail, contre les lanceurs d'alerte, elle est exponentielle. Absolument. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument plus de vivre ensemble. Enfin, l'entreprise est un véritable problème. Donc, sur les lanceurs d'alerte, c'est terrible. Vous dénoncez encore beaucoup d'autres cas. Il faut vraiment dire la traque des lanceurs d'alerte, parce qu'on découvre l'armée, la SNCF... les services publics. Ce qu'on voit maintenant, si on veut généraliser, c'est qu'il y a une corruption assez massive dans le fonctionnement économique de notre société. Parce que ce qu'on nous dit en général, c'est que les pays du Sud, en Afrique particulièrement, doivent pratiquer la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. C'est un petit peu le loup qui crie au loup, là. C'est d'une hypocrisie inouïe. C'est-à-dire que... Moi, je dis souvent, on est passé derrière le miroir, vous voyez. On voit la société avec un autre prisme. C'est-à-dire qu'effectivement, quel que soit le domaine d'activité, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et ces pratiques, qu'elles soient dans le laboratoire pharmaceutique, qu'elles soient dans l'alimentation, qu'elles soient dans l'armée ou ailleurs, qu'est-ce que ça cache? Et en fait, à chaque fois, ça cache énormément d'argent. Énormément d'argent qui s'entasse sur des paradis fiscaux, à l'offshore, où il n'y a pas de traçabilité, parce qu'il y a des techniques comme les trusts, entre autres, pour faire en sorte qu'il y ait une opacité telle que derrière, on ne puisse pas aller chercher les bénéficiaires. Donc, il n'y a pas de contrôle sur... Mais cet argent, est-ce qu'il faut dire que c'est leur argent ou c'est notre argent? Ou ces milliards, ils devraient servir à quoi? Mais c'est justement toute la problématique de la société, et nous, de l'Europe, hein, en plus on est à Bruxelles aujourd'hui, de toute la problématique de ces dossiers. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui, depuis 10 ans, est en crise. La crise de 2008, vous vous souvenez, on a mis 15 jours pour sauver les banques. Et Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui nous ont dit qu'ils n'ont pas dormi pendant 15 jours parce qu'il fallait absolument sauver les banques. On a sauvé toutes les banques, à part Lehman Brothers. Et on rembourse de ce fait une dette que personne n'a voulu parce que nos amis politiques ont décidé qu'il fallait mutualiser les pertes parce que les banques sont ce qu'on appelle « too big to fail », c'est-à-dire trop grandes pour laisser tomber. Comme elles sont plus puissantes que les États, on ne peut pas les laisser tomber. Donc en gros, on a des dettes dont on rembourse des intérêts qui sont absolument incroyables. Je crois que c'est... 3 000 euros à la minute ou 3 000 euros à la seconde. Enfin, c'est des milliards, des millions de milliards. L'évasion fiscale, on sait que ça crée des trous dans toutes les comptabilités de nos pays. Vous dites que c'est l'argent qui manque pour le trou de la sécurité sociale, pour les retraites, pour... Pour tout le service public. Pour enfin, tout le service France, public. En tout cas, nous, on a un hôpital qui est en danger, une sécurité sociale en danger, les retraites en danger. Donc quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, c'est un mensonge. En fait, il y a de l'argent, mais il est planqué. Et c'est notre argent qui est... Alors, je vais vous donner deux exemples. Quand Nicolas Sarkozy, président de la République,
à sauver justement ses banques, etc. Il avait fait une déclaration disant les paradis fiscaux, c'est fini. Mmh. Mais c'est sous son quinquennat que le Panama a été enlevé de la liste noire des paradis fiscaux. Mmh. Quand Michel Sapin était ministre des Finances sous le président Hollande, sont sortis les Panama Papers. C'était en 2016, les Panama Papers, qui montraient bien que le Panama était un acteur très important dans ces histoires de paradis fiscaux. Donc il y a eu une espèce de rétropédalage, oui, on s'est dit Sarkozy, on va les remettre. Parce que... voilà. Mais alors attendez, M. Moscovici, qui a été ministre avant M. Sapin, lui a enlevé Jersey, l'île de Jersey, et les Bermudes de la liste noire des paradis fiscaux. Et avec les Football Leaks, dont vous avez dû forcément entendre parler ici, avec le lanceur d'alerte Rui Pinto, qui est en prison depuis plus de 6 mois au Portugal, que justement Jersey était un des acteurs important dans ces montages de... Alors, il y a pas que les joueurs de football, les commissions, l'argent noir, voilà, tout ça. Les agents notamment, etc. Donc, en fait, on est dans cette culture du mensonge où on joue avec les mots. Mmh. On joue avec le fait aussi que les citoyens n'y comprennent rien parce qu'on a fait en sorte de complexifier la finance pour qu'elle ne puisse s'adresser qu'à des spécialistes. Mmh. Donc, c'est tellement compliqué que les gens se disent... C'est pas pour moi, je suis pas assez bien pour ça. Et qu'en fait, il faut que tout le monde s'empare de ce sujet parce que c'est l'argent des uns et des autres. Vous voyez, les gilets jaunes en France qui, depuis un an, essayent de se faire entendre pour pouvoir vivre de leur salaire, par définition, ils risquent d'être dans la rue encore longtemps si on sabre les retraites de 25%. Mmh. Mais bien évidemment que l'argent, on sait où il est. On ne veut juste pas jouer au... aux gendarmes. D'accord. Donc l'histoire de la fraude, de l'évasion fiscale, de la corruption qui est liée, c'est vraiment, vous dites, au centre de tous les problèmes de la richesse et de la pauvreté qu'on a maintenant. Il y a quelqu'un qui, avant vous, a beaucoup souffert par rapport aux banques. C'est quelqu'un que je connais personnellement qui s'appelle Denis Robert. Il avait dénoncé, on va le faire court parce que c'est un peu techniquement compliqué, mais Clearstream, une firme de compensation qui, en fait, organise les transferts entre les banques. Évidemment, il y en a à chaque minute. Et qui organise ça, et il avait dénoncé le fait qu'il y avait là-dedans une très très grande fraude, qu'on blanchissait l'argent du crime, de la drogue, du sexe, etc. Et ça lui a coûté très cher. La firme lui a fait des procès et a transformé sa vie en enfer. Mais il en est sorti. Oui, et puis la grosse différence aussi, je pense, c'est un petit peu comme Irène Frachon, c'est-à-dire que quand on n'est pas un collaborateur d'une entreprise, c'est assez différent. On s'en prend tous plein la tête avec la justice. Ça, c'est clair. La justice, c'est l'arme qui se retourne contre les gens honnêtes, enfin, que l'on pointe contre les gens honnêtes. Il faut 15 ans, avec une force, une conviction, des moyens financiers, et du soutien, etc., pour pouvoir avoir gain de cause en justice. Mais cela étant, c'est pas tout à fait la même chose. Lui, il le dit, je crois que c'est 3 lanceurs d'alerte qu'il y avait chez Clearstream, qui lui donnait des informations, et il se retrouvait dans une pièce un peu comme ça là, chez lui, où il n'y avait que des dossiers qu'il a pu mettre à jour. C'est juste terrible. Mais cela étant, c'est le travail des journalistes, c'est le travail des journalistes d'investigation d'aller voir justement ce qui est caché du grand public. Pourquoi est-ce que c'est caché? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de transparence? C'est bien que c'est gênant. Mais on nous a dit que le problème, on en avait pris conscience, c'est qu'il était réglé par ce qu'on appelle un échange automatique des informations bancaires entre les pays. Donc maintenant, le secret bancaire, il est levé ou Alors il y a un lanceur d'alerte qui s'appelle Rudolf Elmer, qui travaillait pour la banque Julius Baer, qui explique très bien qu'en fait, parce qu'il est suisse, il vit en Suisse et il est allé 2 fois en prison, et il explique très bien que le secret bancaire n'est pas fini. Le secret bancaire, il est juste fini si vous, demain matin, vous allez ouvrir un compte en Suisse à votre nom. Pour le coup, là, il y a un échange automatique d'informations. Mais si vous allez ouvrir un trust, ça n'existe pas. Donc en fait, ils ont déplacé les problèmes. Donc l'opacité est toujours la même, elle n'est plus sur les mêmes sujets. Mais les États-Unis ont quand même fait payer très cher à UBS, et là, ils ont quand même un peu brisé le secret bancaire. Alors, ça va s'améliorer? Il y a un article qui était paru il y a 5 ans, excessivement intéressant là-dessus, qui expliquait quoi? Acte 1, parce que là, on n'est pas que sur du lancement d'alerte, des sujets très divers. Là, on est plutôt sur de l'espionnage économique,
voire sur de la guerre économique. À savoir, les États-Unis donc lancent cette bombe vers la Suisse, vers UBS, qui est donc la plus puissante des banques suisses, la plus ancienne, qui est le plus grand employeur suisse. Et concurrente des banques des États-Unis. Exactement. Donc, en fait, Barack Obama au pouvoir, Hillary Clinton se trouve secrétaire d'État à gérer ce dossier. Et en fait, il y avait une liste de 15 000, ce qui me paraît d'ailleurs peu, mais bon, 15 000 riches contribuables américains qui étaient dans ces comptes UBS. Mmh. Donc en fait, Big Brother étant là, disant, avec nous, le secret bancaire suisse va s'arrêter. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, c'est que c'est une histoire à un tiroir. C'est-à-dire que les États-Unis ont été capables de dire, avec nous, le secret bancaire, c'est fini. Ils ont été capables de faire signer des accords de l'OCDE, d'échange automatique d'informations, à tous les pays du monde. Ce sont les seuls à ne pas les avoir signés. Donc en gros, ils ont mis la pression. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Voilà, ils ont mis la pression sur tous les Américains qui vivent partout dans le monde. Hein, pas uniquement pour frauder le fisc. Vous vivez en Australie, vous êtes mariée une Australienne, point. Mais ils ont obligé aussi à ce que tous les pays signe ce qu'ils appellent la loi FATCA, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où vivent les Américains, leurs revenus sont immédiatement déclarés à l'IRS, le Bercy, enfin le ministère des Finances américain. Donc en fait, ils ont fait d'une pierre deux coups, ils ont fait peur à tout le monde, ils ont fait rentrer tous les Américains, et eux ne sont pas concernés par cet échange automatique d'informations. C'est un truc extraordinaire, si vous voulez. Donc, on sait aujourd'hui, notamment que le Delaware, il n'y a pas que le Delaware, il y a Wyoming, enfin, il y a plusieurs États aux États-Unis, qui sont des paradis fiscaux où, justement, il y a aussi des étrangers. Donc, ça permet d'être une monnaie d'échange pour les États-Unis, qui, en tout cas, à l'époque, sous Barack Obama et Hillary Clinton, a besoin de récupérer beaucoup d'argent. Ça a relativement bien fonctionné. Ah, donc c'était une opération commerciale. Alors, on a parlé de Obama. Il avait une bonne réputation dans sa campagne électorale. Il avait dit qu'après les années Bush, il allait ramener la transparence. Mais par rapport aux lanceurs d'alerte, Obama n'a pas été très sympa. Il n'y a jamais eu autant de lanceurs d'alerte emprisonnés, exilés avec Snowden, persécutés, que sous les deux mandats de Barack Obama. C'est une catastrophe. Tout le monde critique ce qui se passe en ce moment aux États-Unis avec cette histoire de lanceur d'alerte qu'il y aurait sur le dossier Ukraine avec le président Trump. Mais enfin là, on a quand même des exemples très concrets qui font que, par exemple, Chelsea Manning, le soldat Manning qui avait donc envoyé à Wikileaks un certain nombre de leaks concernant ces guerres au Moyen-Orient avec des vidéos de civils qui ont été assassinés un peu comme dans des jeux vidéo par des soldats américains. Bon, c'était une peine de prison de 35 années. Oui, ça a été. Obama a commué sa peine en quittant la Maison-Blanche parce que Chelsea Manning avait des soucis de santé notamment. Bella, elle est réincarcérée depuis le début d'année parce que a été inventé un grand jury, un grand jury. Oui. Et Trump qui avait dit « Vive Wikileaks et les révélations d'Assange », maintenant qu'il est au pouvoir, il fait exactement comme avant. Alors, donc il y a vraiment une super traque de lanceurs d'alerte aux États-Unis. Le cas de Assange, de Snowden, de Chelsea Manning, ça, on touche un peu plus les thèmes sur lesquels moi j'ai l'habitude de travailler, c'est-à-dire les guerres s'accompagnent de mensonges, et on cache les crimes de guerre commis par les plus hauts dirigeants. Justement, on traque, on essaie d'éliminer, même physiquement, Assange. Chelsea Manning réemprisonné. La vie de Snowden, on a essayé de la transformer en enfer aussi. Donc, on a un lien là entre les affaires de je ne vais pas dire de petite corruption, mais les affaires particulières, spécifiques, et le phénomène de la guerre et ce qu'on nous cache à propos des guerres, en fait, on voit que tout ça est très connecté. Tout ça est très lié. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu ? Il y a beaucoup d'argent. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit, à Bruxelles d'ailleurs, il y a quelques années, qui m'avait dit, mais est-ce que vous connaissez les trois piliers de financement des partis politiques dans le monde ? Et le premier, ce sont les banques. Le deuxième pilier, ce sont les ventes d'armes, l'armement. Et le troisième, ce sont les laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, on se retrouve à chaque fois avec effectivement les mêmes problématiques.
avec des États, notamment, qui nous devraient, mais ça c'est tout le dialogue de Snowden, notamment, hein, des dialogues des multinationales et des États qui devraient être transparents. Et en fait, ils ont inversé la chose. C'est-à-dire que nous, on devrait être protégés dans nos échanges, dans nos appels téléphoniques, etc. Donc tout est tracé et on est tous très suivis. On n'a absolument plus d'intimité, de tout ce qu'on peut dire, de tout ce qu'on peut faire. Par contre, eux se sont mis des il y a un arsenal juridique, technique, qui passe notamment par les lois. Et les lois en Europe, si jamais elles se font... Par exemple, la France, c'était M. Macron qui était au ministre du budget, avait décidé de faire passer la loi secret des affaires. Oui. C'était début 2015 de mémoire, ou début 2016, et il y a eu un tollé, c'est-à-dire que des lanceurs d'alerte, des associations, des syndicats, des journalistes ont été vent debout, et il a été obligé de rétro-pédaler. Alors à la place, c'est ce qu'on a fait. Ils ont fait passer la directive secret des affaires à Bruxelles, donc tous les pays européens ont été obligés de l'adopter. Donc vous voyez, ce sont des pirouettes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des paroles, on lutte contre la fraude fiscale, et puis on enlève les pays de liste noire des paradis fiscaux, voilà. Ben ça, la directive secret des affaires, c'est la même chose. On a parlé des Clinton, là, il y a un instant. Or, c'est particulièrement Hillary Clinton qui a mis en œuvre les deux nouvelles guerres sous Obama, contre la Libye, contre la Syrie. Est-ce qu'il y a de l'argent sale derrière Hillary et Bill Clinton ? Je pense que c'est Julian Assange qui pourrait répondre très précisément à ces questions. On essaiera pour un prochain Michel Midi, mais ça ne va pas être tout de suite. Moi, ce que je peux dire, ce que j'en parle dans mon livre, dans le chapitre, dans le chapitre américain, c'est qu'en fait, la fondation Clinton, qui a des donateurs, il y a une question essentielle à se poser. Hillary Clinton, secrétaire d'État, et celle qui s'en va gérer ce secret bancaire avec la Suisse, avec le problème UBS en 2008-2009. La fondation Clinton, depuis, est financée essentiellement par des fonds provenant d'UBS. De mémoire, c'est le New York Times qui a publié ça, hein, et le Washington Post. Bill Clinton, son mari, qui est comme Nicolas Sarkozy et comme d'autres ex-présidents, donne des conférences partout dans le monde qui sont, comme vous le savez, voilà. À partir de 2009, l'entreprise qui lui demande le plus de conférences, c'est UBS. Il y a des vraies questions à se poser, c'est-à-dire que comment peut-il être possible qu'on essaye quelque part de détruire une entreprise, donc de détruire une banque, qu'un État essaye de détruire une banque, et d'un autre côté, cette même banque finance la fondation de ceux qui veulent la détruire. Voilà. Poser la question, c'est y répondre. Je signale que les Saouds et les Qatars ont amené beaucoup d'argent aussi dans le portefeuille des Clinton. Ça, je le traite dans le livre. Oui, on a un fameux reflet avec le soleil qui vient d'arriver, donc je le mets par là. USA, les Empires, citation. On parle d'Hillary Clinton et de leur fameuse fondation. On a parlé d'Obama. Je regarde si vous envoyez des questions, mais on dirait que non pour l'instant. Il y a beaucoup de participants, mais pas encore de questions. En fait, quand on passe en revue les cas que vous décrivez dans votre livre, les cas des banques et de ce qu'on fait avec notre argent, le cas de Snowden qui a montré, comme vous l'avez dit, qu'eux peuvent nous espionner, mais nous, on ne peut rien savoir sur eux. De Chelsea Manning qui a révélé des crimes commis au plus haut niveau, mais c'est elle qui est en prison et pas les ministres et les présidents qui ont ordonné ces crimes. Et de Julian Assange qui n'a, je le rappelle, commis aucun délit, mais qui est en prison et menacé d'être éliminé parce qu'il a révélé les délits et les mensonges des gens qui nous gouvernent. Quand on voit tout ça, est-ce que les lanceurs d'alerte, c'est pas un phénomène vraiment fondamental pour le droit à l'information et donc pour la démocratie, pour les choix que font les citoyens? Vous voyez bien qu'en fait, tout ce qui a été révélé, c'est tout ce qui était caché. Quel est l'intérêt de cacher des informations? À part qu'elles soient là pour protéger un certain nombre de personnes qui n'ont certainement pas envie que justement ces informations soient sur la place publique. Donc, il y a un rôle de vigie citoyenne, hein. Moi j'ai lu ça notamment dans un certain nombre d'articles. En tout cas, qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que le citoyen, un citoyen, qui a accès à une information,
est en danger parce qu'il a permis de mettre ces informations à disposition du grand public, parce que le grand public est concerné. Donc, aucune législation aujourd'hui ne protège les lanceurs d'alerte. Dans mon livre, je l'explique assez. Il y a des associations très bienveillantes qui nous disent « Mais regardez, les pays qui protègent le mieux au monde sont les États-Unis. » On vient d'en parler assez. Il n'y a jamais autant de lanceurs d'alerte emprisonnés, exilés, ou en tout cas avec des pressions comme aux États-Unis. Et en Europe, c'est l'Angleterre qui serait le modèle à suivre. J'en parle dans le chapitre sur les lanceurs d'alerte britanniques. Je connais une dame qui s'appelle Ellen Chubb, qui était une assistante dans un EHPAD, vous savez, dans un établissement médical, qui elle parle de violences qui ont été faites sur des personnes âgées, qui se bat depuis des années. Elle était avec 5 collègues, elles ont toutes été licenciées. Et où est la protection? Qui protège? Pourquoi est-ce qu'on est dans un pays, alors en France, il y a des cas aussi, en Allemagne également. Pourquoi est-ce qu'on est dans un pays qui violente les personnes âgées? Quel est l'intérêt de ça? Pourquoi est-ce qu'on est dans des pays qui vendent des médicaments qui font plus de mal que de bien? Les médicaments sont censés soigner, pas censés tuer les gens. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus des banques qui sont au service des entrepreneurs, des citoyens, mais qui sont là avec une finance dérégulée? Je vous rappelle d'ailleurs que François Hollande s'était fait élire en disant qu'il allait séparer les banques d'investissement des banques de réseau. Bon, 10 ans après, on en est... Mais il était allé en même temps à la City à Londres faire un discours en disant, en rassurant les grands financiers de la City de Londres, en disant qu'il ne fallait absolument pas croire ce qu'il avait déclaré, c'était juste pour se faire élire. Écoutez, je vous fais une parenthèse, ce n'est pas l'objet là, mais il y a 10 ans, on nous a dit que ça ne va plus jamais arriver. Et qu'en fait, on est en train d'apprendre là depuis 6-8 mois... que la Deutsche Bank et la Commerzbank aussi en Allemagne, qui sont les banques les plus puissantes, ont de sérieux problèmes, c'est-à-dire des déficits qui sont X fois le PIB de l'Allemagne. Et je voyais un tweet ce matin que j'ai relayé qui dit en gros, Madame Merkel est en train de demander à ce que tout le monde se solidarise, c'est-à-dire qu'on va mutualiser cette perte. Donc 10 ans après. C'est-à-dire qu'en 10 ans, quel travail a été effectué par tous nos politiques? Quand on parle d'éthique dans les banques, où est-ce qu'on en est avec l'éthique, avec l'intégrité, avec la transparence, avec le droit de savoir? On est au point mort. La seule chose qui est changée, c'est que justement, il y a de plus en plus de citoyens qui ont pris la parole, il y a des médias indépendants qui ont pris l'exemple de Wikileaks. Nous on le voit là avec les gilets jaunes en France, où finalement chez les médias mainstream c'est silence radio. Ou alors c'est pour discréditer, voilà, on discrédite, on diabolise. Mais comment on fait avec les lanceurs d'alerte? Moi, ce que je remarque depuis un an, c'est le traitement qui a été réservé médiatiquement, là je parle des médias mainstream, aux gilets jaunes, c'est le même qu'on a subi nous. À chaque fois, c'est « shoot the messenger ». On n'essaye pas de dire que les gens ont du mal à vivre avec leur petite retraite, leur petit salaire, qu'ils travaillent comme des fous, ils travaillent la nuit, ils travaillent le week-end, ils ne s'en sortent pas. Non, non, non. Ces gens sont violents, il faut les réprimer. Donc, qu'est-ce qui a surgi? Ben, ce sont ces médias indépendants. J'en parle aussi dans le livre parce qu'il est important d'aller aujourd'hui chercher l'information là où on peut l'avoir. Alors justement, je regarde l'heure. On a dit beaucoup de choses désespérantes. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Comment est-ce qu'on peut lutter? Est-ce que vous avez des pistes pour des revendications, des pistes d'action? Oui, il y en a beaucoup. Et justement, la chose très positive, c'est que chacun d'entre nous a son rôle à jouer, quelles que soient ses compétences, quel que soit son âge, quel que soit son métier, sa qualification, sa couleur de peau, sa religion. On est tous concernés par ces dérives. Et que ça fait 10 ans qu'on essaye de gérer les conséquences. Ça suffit. La cause, c'est la finance. C'est cette finance dérégulée, cette finance offshore qui s'accumule dans les paradis fiscaux, qui ne sert absolument à rien, à part continuer à aller contre l'écologie de la planète, parce que c'est destructeur. On le voit assez avec les forêts qui sont détruites pour l'huile de palme, etc. etc. Les exemples foisonnent. Donc, l'une des solutions, c'est quand même, pour faire face à ces gens très organisés, c'est de se rassembler, c'est de se fédérer. Et pas simplement à l'intérieur de nos pays. Il y avait une image qui était très belle, vous avez dû la voir aussi en Belgique, c'est tous ces Libanais
qui se sont donné la main. Vous savez, le Liban est un petit pays. Et je disais à des amis libanais, mais en fait, il faut qu'on fasse ça à l'international. C'est-à-dire qu'on se donne tous la main, qu'on soit lanceur d'alerte ou pas. On est tous concernés. En tout cas, nous, en France, hein, on le voit par, je vous disais, la réforme des retraites, la réforme de la sécurité sociale, la réforme de l'hôpital. Ce ne sont que des réformes pour, à chaque fois, faire du mal. On n'est jamais là à dire, mais alors que nous, on était le pays, je suis obligée de le mettre au passé, on était le pays de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Pour faire une parenthèse, c'est que Edward Snowden et Julian Assange avaient demandé l'asile au président Hollande en 2013, asile qui a été refusé, alors que la France a accueilli des dictateurs. Par exemple, Duvalier a été non seulement protégé, mais il a pu vivre protégé et accueilli pendant 25 ans en France. Ce à quoi des Anglais nous ont répondu, parce qu'on avait mis ça sur des réseaux sociaux, c'est qu'en Angleterre, avec le traitement qui est réservé à Assange, ils avaient eu le même problème avec avec Pinochet, qui avait été aussi protégé en Angleterre. Absolument. Donc en fait, on est sur ces démocraties dirigées par des gens qui sont a priori cultivés, qui ont eu des diplômes que beaucoup d'entre nous n'auront pas, mais ça ne les rend pas intelligents. C'est-à-dire que ça ne les rend pas intelligents avec quotient émotionnel. Vous voyez, ils sont pas élus pour faire du bien aux citoyens. Ils sont là pour aller lutter contre eux, pour obéir. Et pour obéir à quoi? Et en fait, c'est ça l'histoire de la cause. C'est la finance qui a pris depuis 20 ans, depuis les années, même plus de 20 ans, les années Thatcher, une place qu'elle n'aurait jamais dû prendre et qui est en train de tout bousiller. Donc oui, il y a des solutions. Une solution, donc, c'est de se rassembler, de se fédérer, parce que, comme dirait l'autre, diviser pour mieux régner, c'est encore aujourd'hui ce qui marche le mieux. On met les gens dans la peur de l'autre, la peur du chômage, la peur de manquer, la peur de l'avenir. Donc tout ça, ça permet de dire, bah, moi, tant que j'ai, je garde pour moi. Donc il faut déverrouiller ces verrous. Vous voyez, en entreprise, en multinationale, c'est ce qu'on appelle du top-down. C'est le président et l'entourage du président qui décident la stratégie mondiale. Là, ça va être l'inverse. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est du bottom-up. C'est-à-dire que ça part de petit et qui remonte vers la base. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir faire en sorte d'être un contre-pouvoir à ce système qui est tout sauf au service des citoyens. Donc l'ennemi, c'est à la fois les multinationales, qui ne payent pas d'impôts, il faut quand même rappeler ça en Europe. Avec oui, hein, parce que ce n'est pas seulement la finance. Derrière la finance, en fait, il y a les grosses multinationales dites industrielles, mais c'est elles qui gèrent ce système-là aussi. Donc, qui non seulement profitent de tous ces accords, mais en plus, global. J'avais lu sur Amazon des entretiens d'étudiants, vous savez, qui travaillent sur des rollers. Ils disaient, en fait, on nous a vendu le rêve américain, et en fait, c'est l'enfer chinois. Et par exemple, un étudiant qui travaille comme ça, dans cet enfer, chez Amazon, tue 17 libraires. Mais c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui n'a plus de sens et qu'il faut redonner du sens. Donc moi, chaque fois que je donne des conférences, j'essaye de dire, parce qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi chez UBS, vous n'avez pas détruit ces données? Et je disais, mais il y a quelqu'un... Qui me disait il y a 4 ans, mais la question, ou 5 ans, la question à se poser, c'est mais pourquoi est-ce que tous les autres ont détruit? Pourquoi est-ce que tous les autres ont obéi aux ordres? Donc vous, en entreprise, quand on vous demande de faire un rapport, alors vous avez déjà fait le même rapport il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'on vous demande d'aller chercher cette information-là? Pourquoi on vous demande, on vous écarte volontairement des informations? Parce qu'on s'est rendu compte, dans les multinationales notamment, un, les gens travaillent à 300, 500, 1000% de leur capacité. Donc, ils sont focalisés en permanence sur des processus, comment il faut faire les choses, mais pas sur l'information. C'est-à-dire, en banque, par exemple, c'est très cloisonné. C'est pas ce que fait votre voisin d'à côté. Mais moi, je m'étais jamais posé la question de savoir pourquoi chez UBS, on était autant cloisonné. Mais justement, si l'information ne doit pas circuler, c'est parce que le pulse qui est créé ne doit jamais être constitué. C'est-à-dire que seul. Il faut que personne n'ait la vue d'ensemble. Donc, nous, les citoyens, c'est ça, c'est rassemblons-nous. Il y a ce boycott bienveillant qui a été monté par l'association iBoycott pour boycotter les multinationales, qui dit mais c'est un boycott bienveillant. C'est-à-dire on leur pose des questions, on leur demande d'agir
pour que tout le monde, parce que tout le monde est concerné. Bien, ça ouvre effectivement énormément de discussions, de possibilités, mais l'heure tourne, il est temps de conclure. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de coordonner les lanceurs d'alerte, de faire connaître leur travail et de les défendre? C'est très compliqué. C'est-à-dire que essayer de défendre les lanceurs d'alerte, c'est devenu une espèce de nouveau business. De nouveau business de gens qui ne sont pas forcément des gens bienveillants. Mmh. Sauf que des gens comme moi, qui sont dans ces problèmes depuis 12 ans, ne serait-ce que dans mon pays, j'en ai rencontré beaucoup. Mais en discutant avec des Suisses, des Italiens... Vous pensez à des avocats qui essayent de se faire de l'argent sur ça? Alors, il y a les avocats, mmh. Il y a des associations qui ne sont pas là pour aider les lanceurs d'alerte, mais qui sont là pour récupérer leur information et puis leur dire après, ben vous savez, votre dossier il est un peu compliqué, mais vous n'avez pas toutes les informations. Et qui sont là justement pour que tout soit verrouillé. C'est-à-dire qu'on découvre un monde qui est maillé, qui est tressé. Vous voyez, on s'est tous adressés à des grandes associations. J'ai assez de problèmes comme ça, je ne vais pas toutes les citer, mais... Et quel que soit le pays, on a retrouvé les mêmes, avec les mêmes problématiques. Donc, l'idée, c'est pour ça. Il faut que ce soit aujourd'hui des associations citoyennes, plus des associations sont financées. Par exemple, il y en a une qui est très connue, qui est financée en Suisse par UBS. Qu'est-ce que vous voulez que cette association m'aide? En France, elle est financée par la SNCF. Qu'est-ce que vous voulez en partie? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle aide ces pauvres lanceurs d'alerte de la SNCF? Mais le système est encore plus pervers que ça. C'est-à-dire que de temps en temps, on sauve un lanceur d'alerte. Et on met le focus là-dessus, dire, regardez, la loi fonctionne. Parce qu'on se demandait aussi qu'est-ce qui se passe. Mais il faudrait que la loi soit applicable à tous. Pourquoi est-ce qu'il y a un lanceur d'alerte sur 1000 qui est reconnu lanceur d'alerte? C'est des vraies questions à se poser. Donc, moi, bien, je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'y a que les citoyens qui connaissent leurs problèmes de citoyens, qu'ils ne peuvent agir qu'ensemble. Bien. Et puis, après, il y a tout ce problème, toute cette problématique de citoyens et d'élire des élus qui ne soient pas corrompus. Mais c'est là toute la problématique aussi des choses, parce qu'en discutant avec les gens, on a le problème Balkany en France, vous avez dû entendre, c'est qu'en fait, les gens s'entendent très bien avec la corruption. Quand on élit un maire corrompu, on a besoin d'une place en crèche, alors qu'on n'y a pas droit parce qu'on a des revenus qui sont supérieurs à ce que demande la loi, on peut s'arranger. Et en contrepartie, vous votez pour ce maire qui vous aura donné un passe-droit. Donc en fait, c'est à tout le monde de se dire qu'on a tous à gagner avec le prisme de l'éthique, le prisme de l'intégrité. Regardez ce qu'a fait Carlos Ghosn, qui a été arrêté, comme vous le savez, il y a un an au Japon. Qu'est-ce que ça donne comme image de la France? Alors que Renault est un des fleurons de l'industrie française. Si vous travaillez chez Renault, est-ce que vous êtes fier de travailler pour cette entreprise avec un patron qui donne cette image de vous? Donc en fait, bon, c'est un exemple, j'aurais pu aussi vous parler d'UBS, mais, ou des laboratoires Servier, ou de Nestlé, mais tout le monde a y gagné avec l'intégrité et l'éthique. Le collaborateur, qui est fier de travailler pour une entreprise en qui il a confiance, le client, qui est sûr qu'il aura un produit ou un service qui est à la hauteur de ses attentes et du paiement qu'il va faire. On a tous à y gagner d'avoir un management qui est un management justement éthique et pas un management avec des passe-droits pour certains et pas pour les autres. Bien, ben, ça nous laissera sur un petit message d'espoir quand même. Il y a un site dont vous m'avez parlé là quand on est arrivé ici ensemble, lanceurdalerte.info, je crois, qui présente des... comme je suis arrivé au dernier moment, je n'ai pas eu le temps de l'insérer des dans le programme. Des lanceurs d'alerte, oui. Lanceurdalerte.info. Voilà. Aux États-Unis, il y a une femme dont j'ai parlé parce que j'avais écrit sur les crimes de guerre des États-Unis en Irak et qui les a dénoncés, qui s'appelle Sybil Edmonds. Et elle a créé un site Whistleblower, je crois, qui défend ça aussi. Écoutez... Il y a Justin Radak aux États-Unis qui est une lanceuse d'alerte... dans l'administration, l'administration américaine, qui maintenant est avocate et défend des lanceurs d'alerte. Aux États-Unis, ils sont quand même... C'est intéressant de voir, moi je vais être au Parlement ce soir, je vais un peu parler de ça, c'est-à-dire de voir comment les Américains arrivent à être organisés alors que nous, on n'est pas arrivés à l'être.
parce que le passer des lois et voter des lois, bien évidemment, dans une démocratie, c'est important. Mais quand on voit que les premières des choses à être galvaudées, ce sont nos lois et qu'elles ne sont pas applicables à tous, c'est très compliqué. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, Stéphanie, tout à l'heure, tu m'as envoyé un petit mot et qui voudrait que je laisse, donc je n'ai pas eu le temps d'en parler, quand on parlait des comment on va sortir de cette crise financière, puisqu'on veut là encore mutualiser les pertes des banques allemandes. C'est en France, on a quelqu'un qui s'appelle Gabriel Lejaille, donc si vous voulez le suivre sur Facebook, qui s'occupe de la monnaie G1, la monnaie libre, qui va nous permettre d'avancer les uns les autres à lutter contre cette finance dérégulée. Donc voilà, monsieur Lejaille, j'avais promis de parler de vous. Bien, voilà. Je remarque une chose, c'est qu'on en a beaucoup de participants, mais on ne reçoit pas vos questions. C'est la première fois que ça arrive. Je me demande pourquoi. Si vous en avez écrit sur Facebook, on répondra. On va prendre congé maintenant. Investigation va continuer évidemment la discussion. C'est la première fois qu'on se rencontre. Et je crois qu'il faudrait qu'on ait des coups de main pour faire connaître l'info plus largement sur un ensemble de lanceurs d'alerte, que ces gens ne soient pas isolés, qu'on connaisse leurs révélations, qu'on connaisse aussi la façon dont ils sont persécutés, qu'on puisse organiser leur défense. Et la meilleure manière de la défendre, c'est de donner encore plus d'impact à leurs révélations. Voilà, merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous, merci de votre invitation, mais c'est vrai que le message est là, dans les solutions, c'est de s'allier à l'international. Voilà. Puisque la démocratie, et on le voit avec... C'est la leçon, je crois que les médias indépendants doivent absolument travailler ensemble. Si on est petit, on va se faire écraser l'un après l'autre, et donc on doit absolument travailler ensemble. Vous pouvez nous écrire à michelmidi@investiaction.net pour nous proposer ce qu'il faudrait faire, pour donner des coups de main, pour que tous ces gens qui défendent en fait notre droit à l'information soient connus, protégés, coordonnés, qu'on traduise les révélations, etc. Je vais prendre congé de vous et vous donner rendez-vous. Je ne suis pas certain qu'il y aura une prochaine émission mardi prochain, parce que comme je l'ai dit à certains d'entre vous, je viens de terminer le livre « La gauche et la guerre » sur lequel vous aurez bientôt des infos. Il y a besoin de repos pendant quelques temps. On va prochainement, mais je crois que ce sera dans 15 jours, parler de la Bolivie, où il y a énormément de mensonges et de désinformation qui a circulé. Je vous donne quand même juste une petite seconde pour attirer votre attention sur votre responsabilité dans l'info. Dans le journal Le Soir, là, de ce week-end, on avait une brève qui résumait la situation de la Bolivie par un certain journaliste qui s'appelle Éric Defay. Et donc, pour lui, le problème est très simple. Le président bolivien Evo Morales a trop tiré sur la corde du pouvoir. Il n'a pas résisté à la rue. Il a démissionné et trouvé abri au Mexique. Et après, il évoque les démêlés des généraux dictateurs des aventures de Tintin. Vous avez là l'exemple d'un mensonge total. Ce qui a chassé Evo Morales, ce n'est pas la rue. La majorité des gens avaient voté pour lui, 48%. Après 15 ans de mandat, imaginez-vous, est-ce qu'il y a un seul président ou premier ministre en Europe qui a un tel taux de popularité? Ceux qui ont renversé Evo Morales, ce n'est pas la rue, c'est un coup d'État militaire par des gens très riches qui ont déjà essayé des coups d'État contre lui et qui ont les États-Unis et la CIA derrière. Alors je m'excuse, un journal qui vient vous dire que des fascistes qui ont provoqué un coup d'État avec beaucoup de victimes maintenant dont on ne nous parle pas en Bolivie, que ça c'est la rue, on est dans un exemple parfait de désinformation. Vous avez des articles sur Investigation là-dessus. Nous allons avoir bientôt un invité et on vous montrera que les mensonges dont on a parlé aujourd'hui et le silence sur les infos, c'est la même chose sur l'international, justement sur les gens qui ont essayé de mettre la finance et les mêmes multinationales au pas. Oui. Pour conclure, c'est dire, mais justement, voilà. C'est pour ça qu'on n'a absolument aucun média mainstream et aucun journaliste des médias mainstream qui ne soutiennent Julian Assange. Oui. Au monde, on peut les compter sur les doigts de la main, on disait tout à l'heure, mais ne serait-ce que dans le show business en Europe, on n'a personne qui soutient des lanceurs d'alerte. Pour Assange, on en a au moins un qui est Roger Waters, oui. Qui est forcément internationalement connu depuis 40 ans. Mais pourquoi est-ce qu'il y a personne qui soit là à nous soutenir? Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont justement
s'accorde avec la corruption de manière relative. Voilà une bonne conclusion qui rejoint un livre qui s'appelle La peur de Robert Charvin, La peur, arme politique, dont je vous ai déjà parlé. On essaiera d'avoir Robert qui vienne aussi dans un prochain Michel Midi. La peur pour cacher le mensonge et le vol des richesses. Voilà une conclusion, mais on ne désespère pas. La bataille de l'info continue avec vous. Merci et bonne semaine. Au revoir. Donc là, c'est coupé.